Bonjour tout le monde, je m'appelle Safia et je suis l'expert projet à l'agence Caribbean Expert ici à Port-au-Prince. Je suis originaire de Trinidad et Tobago. J'étais toujours passionnée par les langues étrangères et c'était vraiment cette passion qui m'a motivée et qui m'a fait apprécier encore plus la diversité, la richesse de notre région, la Caraïbe. J'ai réalisé mon parcours en commerce international. J'ai fait une licence en France, à Lille, à l'Université de Lille. Et actuellement, je suis en dernière année de mon master à l'École de commerce à Trinidad, Arthur Lockjack. Moi, j'ai connu et je continue à connaître beaucoup de difficultés et d'obstacles, comme tout le monde. Il faut toujours se rappeler que le développement d'une carrière de nos jours implique de prendre des risques et d'accepter beaucoup d'incertitudes. Il faut qu'on s'habitue à cette incertitude. C'est l'esprit dans lequel le projet Éducarib a été conçu. Et on espère que cette plateforme et ce réseau peuvent vous aider à faire vos choix professionnels. J'ai décidé de faire ce master à l'École de commerce Arthur Lockjack à Trinidad parce que je voulais vraiment spécialiser dans le domaine du commerce international pour pouvoir vraiment travailler sur le commerce en tant que moteur de développement dans la Caraïbe. C'est ça qui m'a motivée. Je peux dire que malgré les préjugés, j'ai quand même fait le choix de venir ici pour contribuer à ma manière au développement du pays et à la région en général. La vie n'est pas facile en Haïti, mais il y a quand même une richesse culturelle qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Bon, je suis anglophone. Ma langue maternelle n'est pas le français, c'est l'anglais. Et en apprenant le français et l'espagnol aussi, j'ai eu beaucoup d'opportunités lors de mon parcours. Donc, j'encourage les jeunes à vraiment de saisir l'opportunité d'apprendre une langue étrangère, soit l'anglais, le français ou l'espagnol. Vous n'allez pas le regretter. Ouais, un jeune aujourd'hui qui peut apprendre anglais à Trinidad, en Jamaïque, à Saint-Lucie, ou bien le français en Guadeloupe, en Martinique, et l'espagnol en République dominicaine, cette barrière n'existe pas.